Rennes, capitale de la Bretagne, 210 000 habitants, fait partie des grandes villes universitaires. Rennes la Turbulente compte en effet plus de 50 000 étudiants, soit un Rennais sur quatre. Cette jeune population est répartie sur différents campus. À une dizaine de kilomètres au sud de l'agglomération, situé sur la commune de Bru, le campus de Kerlan est le plus récent. Un site unique de 165 hectares, offrant à 6000 étudiants un cadre d'études exceptionnel. Parmi de grandes écoles supérieures, l'Institut d'ostéopathie de Rennes nous ouvre ses portes dans des locaux flambant neufs. Bienvenue à l'Institut d'ostéopathie de Rennes, première école d'ostéopathie en Bretagne en formation initiale. L'Institut d'ostéopathie de Rennes va intégrer ses nouveaux locaux de 2300 m² de haute qualité environnementale situés sur le campus de Kerlan à Bru. En effet, ce bâtiment élaboré et moderne a été pensé pour transmettre l'ostéopathie dans les meilleures conditions possibles, en mettant à disposition 6 salles de cours spacieuses entièrement équipées, mais aussi plusieurs espaces dédiés aux étudiants, une cafétéria, une bibliothèque comprenant un espace multimédia et un centre d'études. Les locaux intègrent également un élément essentiel à la formation d'ostéopathie, une clinique, où les étudiants pourront s'exercer sur des patients en présence d'un ostéopathe diplômé. L'objectif de l'Institut d'ostéopathie de Rennes est de former de futurs ostéopathes, suivant un cursus d'excellence de 5 ans et une année supplémentaire de spécialisation, encadré par des enseignants universitaires, médecins et ostéopathes. Nous mettons tout en œuvre pour que l'enseignement soit fait dans l'excellence. Cela commence par une sélection rigoureuse des candidats. Le nombre d'élèves est restreint afin de garantir un suivi de meilleure qualité à nos étudiants venant de différents horizons. À la base, je voulais une profession qui me permettait d'être au service plus ou moins de la personne. Donc j'ai essayé médecine, seulement en ce qui concerne l'ambiance, même le travail après, finalement je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Je voulais peut-être essayer quelque chose de plus doux, entre guillemets, avec plus de contact avec la personne vraiment. Et du coup je me suis orientée vers l'ostéopathie. Pour former de futurs ostéopathes de qualité, l'Institut d'ostéopathie de Rennes intègre à son cursus 4500 heures de formation et des stages au sein de sa propre clinique. C'est vrai qu'on s'entraîne les uns sur les autres ou sur notre famille, mais on n'a jamais vraiment traité un patient, vu quelqu'un d'extérieur en fait, quelqu'un qui ne nous connaît pas. Et du coup, c'est vrai que ça va être intéressant de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris vraiment sur des personnes, quoi. Les objectifs de l'enseignement à l'Institut ostéopathique de Rennes sont en premier de former des ostéopathes compétents, responsables et autonomes par l'apprentissage des sciences fondamentales et aussi des sciences ostéopathiques. Le deuxième point, c'est d'intégrer aussi le monde de la santé. Nous essayons d'aller vers une professionnalisation des études. Dès la deuxième année, nous leur faisons faire des stages chez les praticiens libéraux et aussi des stages hospitaliers afin qu'ils puissent se familiariser avec le monde médical. Et bien sûr, la clinique interne qui est un point très important puisqu'en quatrième année, les étudiants vont pouvoir traiter des patients qui viendront directement à l'Institut. À la fin de leur cursus d'excellence, un diplôme de niveau Bac plus 5 sera délivré par l'Institut d'ostéopathie de Rennes. Il permettra d'exercer la fonction d'ostéopathe. L'ostéopathie est un métier tourné vers l'avenir et l'Institut d'ostéopathie de Rennes met tout en œuvre pour favoriser son développement. Le rôle de l'Institut d'ostéopathie de Rennes sera de participer activement à la profession ostéopathe dans le milieu médical et scientifique. Pour que l'avenir de nos étudiants soit serein, le développement du salariat dans les entreprises et dans les structures de soins privées ou publiques doit participer à l'élaboration de notre profession. Nous devons également élaborer des programmes de recherche pour prouver l'efficacité de nos techniques en rapport avec l'université pour faire partie intégrante de l'enseignement supérieur. L'Institut d'ostéopathie de Rennes est une école post-bac en formation initiale agréée par le ministère de la Santé, enregistrée par le rectorat de Rennes. En septembre 2012, elle a accueilli dans ses nouveaux locaux
3 promotions pour un total de 150 étudiants. Dans 2 ans, les 5 promotions en réuniront 300.